Solid Snail, si c'est moi qui me bats, trop de pirates risquent de trouver la mort. Je vais néanmoins t'accompagner. J'essaierai de t'apprendre certains coups spéciaux que m'avait enseigné mon père. Cool. Tu oses nous défier? Les pirates de la baie ne seront pas vaincus si facilement. Mode beat'em all! Ya! Ha ha! Ché! Ah! Non mais oh! Si tu sautes, tu peux effectuer un coup de pied en l'air en attaquant. Ha! Très bien. Yes! Allez, c'est parti pour du beat'em all! Awesome. Ha! 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 Coup de genou dans les dents! Allez! Qu'est-ce que vous allez faire, bande de pirates? Aïe! Mais il est méchant, lui! Chez! Chez Manu! Ouah, je me fais enchaîner! Oh non, il peut pas venir m'aider, l'autre! Je peux pas m'apprendre d'autres coups là! Je connais que ça, mais c'est pas possible! Après un saut, saute à nouveau pour asséner un uppercut! Ah d'accord, ah bah voilà! Il me l'apprend pas ça! Yaha! J'ai perdu tellement de vie à l'aide! Ah tcha! Acha! Achia! Mais... calmez-vous! Ok! Alors, qu'est-ce que ça fait? À l'apogée de ton saut, saute à nouveau pour une attaque tournoyante. Waouh! Félicitations! Je t'ai appris tout ce que je savais. Une dernière chose, si jamais tu as vraiment besoin d'aide, fais appel à moi en te concentrant, mais... promets-moi de ne jamais en parler à personne. Ah bah oui, donc on peut... ok, donc on peut quand même le faire intervenir. Pourquoi il y a Bruce Lee ? J'ai pas eu le temps. Pourquoi y'a Bruce Lee ? Il est trop fort ! Il est trop fort, j'ai failli mourir. Bon, y'a Bruce Lee, hein. Ah, les pirates savaient s'amuser! Oh non! Comme dans les anciens jeux! Il y avait toujours des punks qui nous attaquaient dans les beat'em all. Oh mince, je pouvais tenir dans les airs. Yaaah, je tire dans les airs. Trop fort. Oh non, il est de retour, Bruce Lee. Ok, facile à battre là, cette fois. Excusez-moi, trop facile ce jeu. Ah, d'accord. Ok, je me tais.
Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, là? N'importe quoi, ce jeu. Oh, je peux pas récupérer le cœur! Oh non, c'est nul! Strike! Bram! Gagné. Et vous aussi, vous aimiez les beat'em all quand vous étiez plus jeune ou pas? Après, je sais que bon, là, du coup, dans ceux qui sont là, il y en a peut-être qui n'ont pas connu cette belle époque des beat'em all avec, par exemple, je sais pas, Double Dragon. Double Dragon. Oh là là, Mammouth, aide-moi! Ah merde, au secours. Ha ha! J'ai jamais joué un beat'em all sauf un mini-jeu. Ah ouais? Oh non. Oh justement, la référence là avec... c'est parce que dans beaucoup de jeux, il y avait... mince. Il y avait des punks qui nous affrontaient. C'était trop drôle. Vas-y là, tu me tapes, tu me touches même pas toi en fait. Ha ha! Bam! C'est bon là, on peut grimper. On peut grimper, incroyable. Je très peu joué en vrai, c'est vrai? On va se faire en prendre un sandwich, c'est sûr. Non? Ah non, j'ai cru. Ah si, le sandwich. On va bientôt augmenter. Ya! Et c'est parti. Voilà, super, c'était sûr. M'aurais pas! Si, mon U. Putain, ils sont trop vifs! Allez, chais! J'ai l'impression qu'il leur fait pas si mal que ça, Mammouth. Allez! On peut avancer? Avançons! J'ai joué à pas mal de jeux d'ordi pour enfants en fait, mais sorti de ça, ma culture vidéoludique, c'est surtout regarder les gens jouer. D'accord. Tatiladidadoudada. Oh! Bah c'est le voilà le fragment. Voici donc ce que nous sommes venus chercher. Le fragment du feu. Qui ose s'opposer à nous? Nous sommes les intrépides pirates de la baie. Oh non, pas encore ça. Aucun droit à la propriété ne nous résiste. Ce qui est à vous est à nous. Et tralala. Bah non, y a pas. Quelqu'un s'est passé Kenny. Oh non, il a eu un accident. Oh non, Kenny est mort. Oh non, elle a une super référence à South Park. Bon ouais, je sais toi qui finis alors. Et tralala. C'était ça. Déjà, il n'y avait jamais de console non portable chez moi avant la Wii. Donc, tout ce pan-là de la culture, c'est un peu mort. Je connais que ce que j'ai vu depuis que je suis sur Twitch. D'accord. Le fantôme du pirate Roberts! Il est venu reprendre son trésor! Imbécile! Ce n'est pas le trésor du pirate Roberts! C'est juste un truc Maui que le boss nous a interdit de toucher! Je suis d'accord avec Biggs! Si ça avait été le fameux trésor du pirate Roberts, le boss serait roi des pirates depuis un bail! À mon avis, c'est un simple pirate déguisé en pirate Roberts! Je vous l'avais dit! Mais personne ne m'écoute jamais! Alors qu'est-ce qu'on fait, Biggs? Le boss est toujours aux toilettes et il n'aime pas être dérangé dans ces cas-là.
Je lui avais pourtant dit que ce poisson n'avait pas l'air frais. Oh là, mais toutes les références qui pleuvent. Mais le boss ne m'écoute pas non plus. Je propose qu'on fasse une réunion pour déterminer la marche à suivre. Motion acceptée. Allez, super. Les pires pirates du monde. Oh, Capitaine Ababa. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, Ababa, ça veut dire imbécile en créole. Je dis ça comme ça. Quelle magnifique moustache. Ah, vous êtes venu pour me défier, c'est ça? Je ne suis pas en grande forme aujourd'hui. Mais hors de question que je vous laisse prendre ce truc, Maui. Solid Snail, cet adversaire-là me semble plus fort que les autres. Prends garde à toi. Ouais, il est là. Waouh! Mais non, et il vient de m'éclater! Secours! Non! Mon dos! Il m'a cassé mon dos! Il se calme, pirate, là! Aïe! Oh, il m'éclate, mes grands morts! Je vais mourir! Oh, il m'a... Ah, waouh! Saute dans tous les sens! Cri-cri! Mort. Mais il est trop fort, le capitaine! Oh, il m'a tellement éclaté, le capitaine! Oh non, on va pas se retaper toute l'histoire. Ah non, c'est bon. Non, mais par contre, calme-toi, là! Mais non! Mon attaque a servi à rien! Au secours. Il a une telle allonge. Mais je peux rien faire! Ok, mais il me sert à rien l'autre. Allez, super. Eh, ça va être dur. Hein. Ça va être très très dur. Ça va être très 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 dur. Je me fais éclatax. Il me sert à rien lui. Mais non, mais. Eh, non, mais il commence direct. Tu vas te calmer. S'il vous plaît. Au secours. Au secours. Non. J'arrive même pas à le toucher. Excusez-moi, je suis concentré. Non. J'étais bien. Va-t'en. Non. Et pas si à Babaxa le chef pirate, bah il est surtout mort. Non mais oh. Allez là. Nous l'avons. Le fragment de feu. Yes. Oh. Le volcan est en éruption. Vite Solid Snail. Nous devons fuir au plus vite. Ah oui d'accord, super. Ah bah super. Super, quel enfer, quelle journée de merde! Quelle journée de merde! Mais vous voyez pas mes bandes de pirates! Bande de pirates! Je peux pas fuir tant que. Il arrête lui! Mais non! Casse! Mais arrête avec tes coups de poing à la cou! Le mec il voit pas qu'il y a le volcan! Mais c'est quoi ça?
Je peux pas... Ah, j'ai cru que je pouvais pas partir en plus. Au secours. Non mais, les pirates, mais au secours. Non mais sérieux. Est-ce qu'à un moment, ils se rendent compte que tout est en train de se détruire? Non. C'est pour ça que je déteste les pizzas molles. Ok, super. Allez, on fuit. La musique par contre est trop bien. Mais non, je... Bruce Lee! Il me défonce. Sérieux? Mais je vais pas mourir ici! Au secours! J'ai eu peur. J'ai eu très peur. J'ai eu très très peur. Ah non, c'est pas fini. Je me défends. Cassez-vous, les pirates! Mais ils sont combien? Oh, je suis bloqué. Je spam une attaque, elle marche bien celle-là. Ok, ok, ok. Allez, on se casse. Bruce Lee et son clone, c'est vrai. Mais peut-être qu'il maîtrise le Kagebunshin, comme Naruto. Vite, Michel! Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on atteigne la mer, le volcan risque de tout détruire. Voilà ce qui arrive quand on laisse les hommes se débrouiller seuls. Et moi qui pensais qu'elle nous remercierait d'avoir bien combattu. Bon bah... Est-ce que c'est à cause de nous du coup que l'île des pirates elle a disparu? C'est possible. Bah voilà, super. L'île a été complètement détruite. Je plains presque ces pauvres pirates. Heureusement, on a récupéré le fragment de la clé Mawiatan. Quelle chance! Allez. On est trop fort. Du coup... Je me demande si... Faut pas... Là, il va falloir qu'on retourne dans le... Ah oui, non. Mince. Je sais pourquoi j'étais revenu dans le présent. Voilà pourquoi j'ai... J'oublie des trucs. On est allé chercher un truc. On était allé chercher la larme de Sylve. J'avais oublié pourquoi j'étais revenu dans le présent. J'ai comme une idée de pourquoi le continent de glace a fondu dans le futur. Je crois que c'était par là. Oui, je pense qu'à chaque fois c'est notre faute, hein. On a tout cassé. On a tout détruit. Ouais, bah c'était exactement ça, elle était là. Nous autres gardiens avons été découverts par les Maui. Ils pensaient nous avoir créés, mais ils n'ont fait que nous retrouver. Toi qui recherches le pouvoir sacré du vent, je vois que tu es éveillé, mais m'as-tu apporté ce que je demande? Qu'est-ce qu'il faut lui... Mais j'en sais rien, moi. Ce n'est pas cela. Ah! Bon. C'était pas ça. Autant pour moi, ce n'était pas ça. Je pensais... Donc la larme, on l'a pas comme ça. Ok.
Ok, ok. On l'a pas comme ça, l'arme. Alors du coup, je vais retourner dans le passé. Parce que je pense qu'il y a, quand même des choses à faire dans le passé. Est-ce qu'il faut que je voyage deux fois là? Faut que j'aille dans le futur puis de nouveau dans le passé? Ça devient compliqué, hein, toutes ces histoires de voyage dans le temps. Il n'y avait pas des gens à affronter Excusez-moi, je ne pense qu'à ça, affronter des gens. Vous là! Défiez-moi! Ah, on peut. Je l'avais battu lui, je sais même plus. Ah, peut-être pas, peut-être pas. Une personne à 30 là, peut-être pas. L'écureuil ninja! Ouais. Au bout d'un moment, je pense qu'on comprendra plus du tout ce qui se passe. 1, 2. Ah, bah attendez, on peut faire ça en limite. Là. On aura justement la personne. Elle a quand même 10 de points de vie, donc ça peut servir d'un bon bouclier. Ah, une 3-3. Ah ah! Ça fait mal. Ah oui, mais non, c'est vrai, elle a un... Ah, je suis trop bête. Elle a un avantage certain. Oh! C'est nous! Elle fait 5-10! Mais c'est trop puissant! Oh, je peux pas la mettre. Oh, si, je peux la mettre! Oh, une 6-10, allez, tiens, ché. Allez, l'avantage. Et quoi? Elle fait quoi, cette carte? Oh non, elle lui rend un point de vie. Oh, le truc horrible. C'est horrible. Hop! Oh, elle est trop puissante cette carte. Elle est vraiment trop puissante. Elle est abusée cette carte. Alors, on va mettre celle-ci parce que je veux pas... Et celle-ci ici. Pardon. Ok. Bon, je pense que c'est... Je pense que c'est gagné. Aïe. Par contre, la carte, elle est pas mal aussi, celle-ci. Ouais, c'est gagné. Allez. Chez. Il va nous donner une super carte. J'y étais presque! Tiens, tu as mérité cette carte! Pam! On a Pam! Je sais pas à quoi elle sert. Coucou Poussin! On a gagné Pam. Trop fort. Trop fort en fait. Et toi, tu voulais m'affronter aussi? Non. Arrête de dire chais. Mais parce qu'on est le chevalier! On s'appelle Michel dans ce jeu. Tout est lié, on a le pouvoir du chais. Mais oui, c'est vrai, on s'appelle Michel. Félicitations, tu as obtenu le fragment du feu. Qui sait ce qui va maintenant arriver à ces pirates? Peut-être trouveront-ils un nouvel endroit pour vivre. J'aimerais moi aussi avoir un endroit où quelqu'un m'attend. Viens me parler si tu cherches d'autres informations sur les fragments de la clé Maui. Tu vas voir en rentrant. Mais non, mais c'est vrai, on s'appelle Michel. Je veux retourner dans le passé. Pirate! Je l'ai. Ok, on est dans le passé, parfait. Eux, on les avait déjà affrontés. Oui. Et du coup... Oui, on prend la mer. Alors,
Normalement, on peut accéder ici. Ouais, trop bien. Ruine Maui. Ah, ça c'est un papillon. Ok, donc là c'est pour changer d'époque, très bien. Donc on peut changer d'époque ici. Ce jeu, c'est des références qui tiennent ensemble avec du scotch. Mais c'est ça qui est trop bien. Alors, le débarquement. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous semblez surpris, colonel. Surpris ? Rien ne m'étonne de votre part, Magus. Mais vous ? Comment osez-vous ? Voyons, colonel, s'il vous plaît. L'effrayé. Ah oui, non, c'était quoi la voix que je lui ai donnée ? Il y a aussi un perso qui... Oui, c'est vrai, il y a un perso qui s'appelle Renaud. N'effrayez pas mes lieutenants, je vais avoir besoin d'eux. Vos lieutenants, ce sont les lieutenants de l'Empire. Les temps changent, colonel. Voyez-vous, j'ai servi votre empereur pendant longtemps, mais c'est terminé. Désormais, c'est à moi de monter sur le trône, et j'ai décidé de créer mon empire ici même. Vous êtes fou. Vous n'avez que quelques dizaines de soldats. Dans quelques mois à peine, l'empereur sera ici avec une armée. Et vous ne pourrez pas lui résister. Ne vous faites pas de soucis pour moi, colonel. D'ici quelques mois, une fois que j'aurai fini de conquérir Démonia et de liquider les derniers démons, j'aurai une armée capable de rivaliser avec celle de l'empereur. Comment ? À chacun ses petits secrets, colonel. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un continent à conquérir. Traître ! Il est mort. Il est mort. Je dois les arrêter. Solid Snail, nous devons faire vite. Démonia n'est pas encore tombée. Il me faut aider mon peuple. Allons-y! Ah, j'ai cru qu'il y avait un passage. Allons-y, Alonso. Je vous reconnais. Vous vous êtes évadé du Colisée. Comment vous appeliez-vous déjà? Ah oui, Solid Snail, c'est bien ça? Que faites-vous ici? Je vois. Forcément, accompagné d'un prince de Démonia, où aller d'autre? Laissez-nous passer. Désolé, mais vous ne pourrez rien contre eux. Et c'est là où justement il y a le problème de que je ne sache pas faire beaucoup de voix. Il vous faudrait une armée pour atteindre Démonia. Même moi, je suis impuissant pour l'instant. Il y a peut-être une solution. On pourrait s'allier à l'Empire. Jamais. Une alliance avec Démonia, impossible. Pourtant, ce serait la meilleure solution. Si on laisse faire Magus, le conflit va dégénérer. Les morts se compteront par des dizaines de milliers. En tout cas, c'est ce que j'ai appris à l'école. Il faut absolument qu'on arrête Magus avant qu'il n'atteigne Démonia. Et c'est seulement en unissant nos forces qu'on y parviendra. Il faut impérativement atteindre Démonia avant qu'il ne soit trop tard. Et si pour cela je dois m'allier à l'Empire, pour quelque temps du moins, alors qu'il en soit ainsi. Et toi, Dalkin ? C'est impossible. Je ne peux pas. J'ai des ordres. Nous sommes en guerre contre Démonia. Si ça se trouve, c'est Magus qui a provoqué cette guerre, dans le but de s'emparer de Démonia et de se l'approprier. En sachant ça, tu continues à suivre les ordres. Tu devrais savoir quand les enfreindre pour le bien de l'Empire. Je ne peux pas enfreindre les ordres. Michel, je pense qu'il nous sera difficile de convaincre Dalkin. À mon époque, il est connu pour avoir mené l'armée qui a combattu Magus. Cette bataille a été une terrible boucherie qui a fait des milliers de morts, dans les deux camps. C'est pour cela qu'on le surnomme Dalkin le Rouge. Après cette victoire, si on peut l'appeler ainsi, il a quitté l'armée. Il doit toujours être vivant à mon époque. Je me demande bien où il peut être. Nous devons le convaincre de nous laisser passer. Il me faut aider mon peuple. Mais pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas notre aide? C'est le seul bon choix à faire. Oh non. Comment on peut faire? Est-ce que c'est dans le présent qu'il faut aller?
Ok, retour au présent. Est-ce qu'il serait dans la ville? Normalement, il a gagné. On peut pas passer, il y a toujours le truc. Oh bah non! Peut-être le retrouver dans le futur pour lui demander à lui-même de se convaincre. Possible. Dans le futur, ouais. Mais je crois que dans le futur, il n'existe plus, justement. Parce qu'on a la... J'aurais pas dû faire ça. Je sais où est sa maison. On voit, effectivement, quand on est dans le passé, il y a sa... C'est sa grand-mère qui... Sa mère qui est... Je sais plus. Par contre... Je connais pas le chemin là. Obscur. On peut aller là-bas? Ou on peut pas justement? On peut aller là-bas, attendez. Incroyable. Ok, je pensais qu'il y aurait un truc caché. Non. Ah ah, c'est quoi ça? On peut pas y aller? Oh non, on peut pas y aller. Avoue, c'est peut-être dans le présent qu'il est trouvable, je commence à m'embrouiller. Je comprends tout à fait, moi aussi je m'embrouille. Zut. Ah oui, bah non, là dans le futur, effectivement, c'est cassé. C'est normal. Alors par contre, le seul endroit... Oh non, il faut que je retourne sur l'île des pirates. Oh, les époques qui s'entremêlent dans ma tête. Non, parce que dans le futur, on a sa maison et il y a quelqu'un qui dit qu'il aimerait revendre sa maison, mais il n'y arrive pas. Je suis perdu dans le futur. Bon. Il faut que je retourne sur l'île des pirates parce que le chemin est fermé. Alors, je crois que quand on apprendra le niveau 2 de puissance pour Mammut, à ce moment-là, justement, on pourra détruire le rocher nous-mêmes. Ce qui permettra d'aller un petit peu plus vite que de retourner encore sur cette île, au secours. Donc au présent, on va essayer de retrouver l'endroit où il était dans le présent. Mais oui, on veut prendre la mer. Mais ouais, je suis perdu moi aussi, hein. Je sais plus. Hein. Je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il va bientôt falloir que je m'arrête. Parce que comme j'ai commencé une heure plus tôt, bah je vais finir une heure plus tôt. Comme ça, je vais pouvoir me préparer tranquillement pour mon voyage de demain. Oh là ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est la fin du monde ! Ah oui, mince, il y a eu l'explosion, c'est vrai. Ah oui, j'étais pas du tout retourné ! Mais tout le monde est en train de péter un câble ! Ok, et donc la maison, sa maison, ça doit être celle-ci. Alors, mon père s'est enfermé dans la maison. Il nous faut pourtant qu'on s'en aille loin d'ici. Comment je vais faire pour le faire sortir? Qui est mon père? Oh, il était colonel dans l'armée de l'empereur. Mais je préfère ne pas en parler. Une fois que les choses se seront calmées, c'est décidé, je vends cette vieille maison. Ah non! Du coup, faut aller dans le futur, faut acheter la maison! Mais écoute, combien cette maison? J'ai combien? J'ai 3005. Non mais attendez, faut pas que j'aille dans le futur. Oh non. Faut que j'achète la maison pour avoir la clé pour revenir dans le présent pour aller lui dire... Non, c'est pas ça. Je m'en souviens plus. Non, si c'est ça, c'est abusé. Allez dans le futur, achetez la maison, récupérez la clé et revenir dans le présent pour parler au vieux Dalkin. Pour qu'il nous dise... J'aurais dû vous faire confiance il y a longtemps. Et puis voilà. Ça me semble être un bon plan. Après, j'avoue que voyager dans le temps pour acheter une maison, alors qu'on aurait pu l'acheter quelques années avant, et elle coûterait moins cher, forcément. Le retour en 3D! Oui!
Ouais, je sais, Gao. On va se faire des nœuds au cerveau. On va se faire des nœuds au cerveau, t'inquiète. Allez. Tout semble cohérent, clairement. Mais oui, tout est cohérent. C'est ça qui est très fort. C'est un des rares jeux où quand ça parle de voyage dans le temps, eh bah ça fonctionne. Voilà, c'est lui. Hé, hey, vous, c'est votre jour de chance. Vous venez de gagner cette magnifique maison. Pour en devenir propriétaire, c'est on ne peut plus simple, il vous faut 10 000. Bah oui, mais j'ai pas 10 000. Non mais sérieux. Non mais... Mais file-moi la maison gratos! Vous n'avez pas assez? Oh non, c'est pas possible. Faut 10 000! Mais non, mais... Non? Écoutez, vous êtes vraiment sympathique, alors je vais vous faire un... Oh, et vous proposer une réduction? Non? Vous êtes dur en affaires. Bon, 500G tout de suite et en liquide. Ah, ok, d'accord, c'est bon. Il n'y a pas d'inflation dans le jeu, sinon les pièces n'auraient pas la même valeur. C'est vrai. Mais bon, allez, on vient de passer de 10 000 à 500 gold. Oui, ça m'intéresse. J'aurais pu continuer à négocier, mais... Merci, c'est avec plaisir que je me débarque, que je vous confie cette magnifique demeure. J'espère que vous vous y plairez. J'ai gagné une maison pour 500 balles. Clé de la maison, ça serait une bonne idée d'investir dans un porte-clés. Incroyable. Ah, ma maison! J'ai une maison! Voilà, fin du jeu! Oh, on peut se reposer! Non, ça ira, je suis pas fatigué. Bon, maintenant, retournons dans le passé. Enfin, retournons dans le présent. J'ai quand même réussi à acheter une maison pour 500 balles, hein. On dirait pas, mais c'est pas mal. Bon, je me demande si on aurait pu l'avoir gratuite. Ça aurait été trop fort. Une maison gratuite. Ok. Voyageons dans le temps. Oh là là, obligé d'aller chercher les ruines Mawilites à chaque fois. Allez, Maui, ils auraient pas pu inventer un système pour voyager dans le temps sans avoir à se déplacer sans cesse. Heureusement qu'il y a trois époques parce que sinon ça serait compliqué pour les nommer. C'est vrai. Surtout que là, je suis obligé de me redéplacer deux fois. Il n'y a pas de système direct. C'est très dommage. Ça aurait été mieux de pouvoir choisir directement à quelle époque on veut aller. Parce que là, voyager deux fois pour être à la bonne époque. Surtout que j'ai un contrôleur. On m'a donné un contrôleur pour voyager dans le temps. À quoi ça me sert d'avoir un contrôleur? Belioudi, dadidoudi, dadidou. Dadjou, didadidou, dadjou. J'ai une clé! Bah alors, vous courez tous, je comprends pas pourquoi. Bonjour! Je vais utiliser la clé. La clé de votre maison. Ah, bah le voilà. Oh, il est trop stylé comme ça! Qui êtes-vous? Et que faites-vous chez moi? Oh, je vous reconnais. Encore ce cauchemar. Écoutez, je vais me réveiller alors. Je voulais vous dire encore une fois combien je regrette. J'aurais dû vous écouter. Oui, vous écouter. Je suivais les ordres. Je n'avais pas le choix. Tous ces morts, par ma faute. Ma faute. Si seulement, si vous aviez eu la marque de confiance de l'empereur, comme moi, ma médaille. Je ne la sors plus de l'armoire. Je ne la mérite pas. Partez! Ok. Triste personnage, hein. Vous avez obtenu la médaille de l'empereur! Et maintenant, repartons dans le passé tout de suite! Il va nous écouter avec cette médaille. Tout ça pour ça, quand même.
Et là, du coup, une fois de plus, malheureusement, il va falloir voyager deux fois. Ok. Comment on arnaque le mec avec sa propre médaille, c'est beau. C'est vrai. Et est-ce qu'il n'y a aucun autre moyen pour qu'il nous écoute, hein, donc bon. Alors que c'est quelqu'un de pas mauvais en soi. Dalkin, je pense que c'est un des meilleurs persos du jeu, mais c'est juste qu'il était trop loyal, il a voulu suivre les ordres et il a mal fait en fait. Bon, après le meilleur perso c'est Giselle, on va pas se mentir. Giselle forever. Je me sens différent, je me sens pixelisé. Et hop, on est reparti et on retourne à Démonia. On va aller voir Dalkin. Bonjour Dalkin. Comment ça va Dalkin? Je ne peux pas accepter votre alliance. J'ai des ordres. Et moi, j'ai une médaille. Mais... vous avez une médaille de l'Empereur? C'est une marque de confiance absolue. Ce qui veut dire que l'Empereur souhaite que je fasse cause commune avec vous. Bien. Je n'ai pas le choix. Les ordres sont les ordres. Vous aurez toute l'aide que je serai en mesure de vous fournir. Allez, Shay! Attention, une patrouille de l'armée de Magus. Et là, on va revivre un de mes jeux préférés, Advance Wars. Nous devons les éliminer rapidement sans qu'ils donnent l'alerte. Mais après, ça peut aussi représenter n'importe quel jeu. Je sais plus comment s'appelle le plus connu là en ce moment. Mais voilà, vous penserez à ça. Moi, c'est Advance Wars. Si j'en crois à tes amis, tu es un stratège de talent. Je ne peux te confier le contrôle de notre future armée sans tout savoir de tes capacités. Je te laisse le commandement. Ce sera une bonne façon de me montrer ce dont tu es capable. Très très bon jeu, Advance Wars. À l'attaque! Mode tactical RPG activé! Ya! Tous les défoncer! Et elle, c'est la soigneuse. C'est ça. On va tout charger. Tour de l'ennemi! Alors, du coup. Si on fait ça, glace. Oh! Joli coup! Voilà, chai! Ya! Eh, vas-y, d'où tu m'as touché? Ah, dommage. Bon, bah, on va faire ça, hein. Allez, boum! Et hop! Alors, lui, est-ce qu'on se met là? Non, on va se mettre là. Et on va se mettre en protection. Allez, on protège tout le monde! Allez! Tu peux pas... Hé, hé, c'est lui qui prend tout. Alors... aïe! Ah, elle est au corps à corps, elle aussi. Elle est au corps à corps, effectivement. Waouh, trop fort. On les a éclatés. Parfait, quelle victoire éclatante. Solid Snail, tu as l'étoffe d'un grand commandant. Tu sembles décidément avoir de nombreux talents. Continuons à avancer pour trouver un endroit stratégique où établir notre campement. Ok. Il n'y avait pas d'endroit caché là? Non. Je suis sûr qu'il y a des endroits cachés. Je me rappelle d'endroits cachés. Yaha! Trop bien. Vous avez le petit...
Il est bleu maintenant. Le poste avancé. Parfait. Ce doit être le campement de la patrouille que nous avons croisé. Installons-nous ici pour l'instant. Écoute-moi bien, Solid Snail. Pour mener une guerre, il nous faut des troupes. Je peux en faire venir depuis l'Empire. Plus nous remporterons de victoires, plus les troupes seront motivées à l'idée de rallier notre cause. Va voir ce que tu peux faire depuis la tente de commandement. Puis rejoins-moi pour sécuriser la zone. Ok, donc on a juste la... Bon, bah, allons-y. Bienvenue dans la tente de commandement. Eh bien, on a combien? 126 points. Eh bien, voilà, on recrute une nouvelle. Oui, voilà, c'est recruté. C'est recruté, c'est parfait. Ok, c'est bon. Parfait, nous sommes désormais un peu plus puissants. Continuons à avancer. Tout à fait. Je crois que les problèmes viennent à nous plus vite que prévu. Ah, tout ça pour ça. Ouais, ils sont si nombreux! Monseigneur Magus, les troupes de l'Empire ont débarqué sur nos côtes. Déjà? Oh, c'est impossible. Et pourtant, ils nous attaquent. Oh, ce doit être ce satané colonel Dalkin. S'il pense pouvoir contrecarrer mes plans avec quelques soldats, novice, il se trompe lourdement. Tout à fait, monseigneur. Il se trompe. Seul le colonel Dalkin risque de poser problème. Débarrassez-vous de lui et son armée s'effondrera comme un château de cartes. Moi? Bien sûr, vous. Pourquoi croyez-vous que je vous parle de tout ça? Je pensais que cela vous faisait plaisir d'être écouté, monseigneur. C'est une question de tactique militaire. C'est censé être votre spécialité, non? Alors c'est à vous de mener ces opérations. Je vois. Et je peux refuser? Au combat. Ils sont nombreux. Là, ça devient sérieux. Mieux vaut ne pas foncer tête baissée. Passons en revue les compétences de chacun. Je peux vous soigner si vous êtes blessé. Ah, je peux repousser de nombreux ennemis en un coup. Je peux geler les ennemis pour éviter qu'ils ne contre-attaquent. Et je peux vous protéger si vous restez près de moi. Et Michel? Comme d'habitude, il avance et il cogne. C'est vrai que ça a plutôt bien marché jusqu'ici. Parfait, en avant. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. On va tous les avoir. Attendez, lui je peux l'avancer jusqu'où? Ah zut! Ok mince, elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans! Quel dommage! Ah, je peux l'avoir lui. Tiens! Et lui, faut pas le perdre. Allez, tour de l'ennemi! Venez à nous! Ah, elle a vraiment eu de la chance. Oh, mais Dalkin, il joue au bouclier! Incroyable! Waouh, trop fort. Il arrête tous les coups. Alors... Si on se met là... Oh non! Pas mal! Balèze! Ok! On peut avoir le lieutenant direct. On va avoir eux, les archers! Ok. Ah, dommage! Non, peut-être pas. J'ai pas envie de le perdre, lui. On va le garder. On va le garder là. Ok. Ouah, ça fait si mal, en fait. Je m'attendais pas à ce que les flèches, ça fasse si mal. Mammouth!
Mammouth est en mauvaise position, on va devoir le soigner. Enfin, s'il survit. Ah mais... Ah d'accord. Oh non, je vais perdre cette... Mammouth, je suis blessé, continue sans moi. Mammouth. Oh non, j'ai perdu ma recrue. Oh, quel terrible... c'est terrible. Je pensais pas que ça ferait si mal, les flèches. Mais il faut les tuer tout de suite. C'est trop dangereux. Il lui reste que deux à lui. On va l'affronter lui parce que... Ouais. Bon, lui, je le détruis parce que sinon, c'est mort. Mais je m'attendais tellement pas à ça. Au secours! Ok, bah on est plus beaucoup, hein. On est plus beaucoup! Je m'attendais tellement pas à ce que ça fasse aussi mal, en fait. J'ai été vraiment surpris. Mammouth, il a pris très cher quand même face aux flèches. Ok, le lieutenant... Bon, ça va partir en soin. Ok, ça c'est bon. Heureusement qu'il y a eu la glace sur le premier tour, parce que sinon... Ouais, lui, il lui restait un de vie. Bon, bah ça c'est fait, elle lui a fait un critique en plus. Dans les dents! Ok. Michel, tu t'occupes de l'archer. Hop là, ça c'est fait. Elle peut peut-être aller s'en occuper aussi. Ok. Il reste que le lieutenant. On va faire un soin. Ah non, je peux pas soigner. Ah non, faut être corps. Ah, je peux. Ya! Et toi, tu tapes. Ok. On a gagné beaucoup de points par contre là sur... Ok, ça c'est bon. Et Michel arrive. Je vais charger. Charger. Ok, c'est bon. Aïe. Bon, il va falloir faire plus attention du coup sur... Allez, c'est gagné! On a gagné plein de points. Je commence à reprendre espoir. Grâce à cette victoire, nous allons pouvoir monter un campement fortifié digne d'accueillir notre état-major. On ne va pas rester dans ce camp tout sale trop longtemps, j'espère. J'ai besoin de liberté, moi. Rassurez-vous, mademoiselle Giselle. Nous ne resterons pas ici. C'est à nous de prendre le commandement des troupes en mouvement. J'ai d'ailleurs étudié la carte de l'île de Démonia. Plusieurs chemins mènent à la capitale. La voie du sud est la plus rapide, mais le gros des forces mobiles des rebelles s'y trouve. La voie du nord est plus longue, mais plus praticable. L'ennemi a envoyé ses machines de siège par cette route. À nous de nous montrer pertinents dans nos choix. Laissons Michel décider, il sait toujours quoi faire, n'est-ce pas? Tu as raison, on verra bien sur place, allons-y. J'aime bien parce que je ne dis jamais rien, mais ils sont persuadés que je suis le meilleur stratège du monde. C'est trop fort, ce jeu est trop fort. Je n'ai jamais rien décidé. Mais je m'en sors toujours bien. Ok. Ok, donc c'est pour ça, là, on va avoir un moment. Soit on part vers le nord, soit on part vers le sud, mais on fera tout, de toute façon, on fera tout. Il reste beaucoup de matériel militaire. On dirait qu'ils ont fui dans la précipitation. Ça ne m'étonne pas, ils ont compris qui c'est le patron. Mais de là partir sans combattre, je pense qu'ils ont dû prendre leur chef qui a sûrement fui. Quand cela arrive, impossible de garder les troupes en poste. Parfait, si notre seule présence suffit à faire fuir les officiers supérieurs de l'Empire, il suffit de foncer. Allez. Je vois une tente de commandement là-bas, profitons-en pour recruter des troupes. Ouais. Bienvenue. Peut-être prendre deux armes. Ah non, je peux prendre un archer. Ah, il me faut y... Entraîner, oui. Oui, je l'entraîne en archer et je vais en recruter une autre. Voilà. Retour. Un archer supplémentaire, ça me fera du bien. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ah non, j'ai cru. Ah, j'ai cru qu'il y avait un passage. Moi, je vous dis, hein, je suis quasiment sûr qu'il y a un passage secret quelque part.
Maintenant! Chargez! Oh! Ah, mais c'était vraiment une attaque surprise, mais des démons! Au secours! Je crois que nous sommes fixés, voilà ce qui a fait fuir nos ennemis. On va devoir filer nous aussi? Cela me semble compromis pour l'instant. Laissez-moi leur parler. Ce sont des démons, ils nous ne feront aucun mal si je parviens à leur expliquer la situation. Sus aux envahisseurs! Du calme! Déposez les armes, je suis Mammouth, fils du roi Artus. Je suis venu libérer Démonia. Mammouth? Celui qui a trahi son propre père en amenant des humains? Et qui pactise avec un colonel de l'Empire? À mort les traîtres! Il va être difficile de les convaincre, Mammouth. Mais je ne veux pas les combattre. Nous n'avons pas le choix. C'est nous ou eux. Pardonnez-moi, mes chers compatriotes. J'ai une mission à remplir. Ok. Alors, observons un petit peu. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un archer. Et ça, c'est un démon normal. Donc, certainement, qui tape à l'épée. Bon, on a vu que les archers, c'était dangereux. Les archers, c'est ceux qui ont les cheveux bleus. C'est ça. D'abord, tuer les archers, tiens. Quoi? C'est tout? Et on protège tout le monde. Est-ce que lui, il peut avoir celui-là? Yeah. Hop. On va charger. C'est la technique, hein, de toute manière. Technique, hein, dans tous les tactical RPG, c'est avancer en formation, tortue! C'est ça, rassemblez-vous. Voilà, rassemblez-vous bien. On va s'occuper de vous. Il est trop fort. Dalkin, c'est le méga tank. Alors. Oh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va pas se mentir. Ah, c'est dommage. Elle a un bon schlass là qu'elle pourrait faire. Si seulement elle pouvait se déplacer au bon endroit. Faire attention parce qu'on a quand même pas mal de... Quoi? J'aurais dû peut-être le soigner en fait. J'aurais peut-être dû le soigner. Aïe! Ça fait mal ça! Ah oui, mince, c'est vrai, j'avais oublié ça. Zut. J'avais vraiment oublié. Aïe, la recrue. La recrue, elle est mourue. Aïe, Michel. Ouais, d'accord, super. Alors non, mais c'est vraiment Mammouth, hein, qui a un problème avec les... Comment ça s'appelle? Avec les flèches, hein. Il a pris très très cher tout à l'heure. Aïe. Ouah, Michel. Oh, le super slash. Oh non, mais là on en a 4. Boum. On va essayer de reculer. Il faut que je recule Michel. Ah, y a que des archers là.
Allez, on va... Hop. Yaaaah. Et on va essayer de glacer les autres pour le prochain tour. Ah ah. Il arrêtera tous les coups. Trop fort. Lui, c'est pas grave s'il meurt. C'est pas grave du tout. C'est un... Il est là pour faire diversion. Tour des alliés. Je pense qu'il faut que j'aide. Ah, quoique, du coup. Ah oui, non, je peux pas aller là-haut, d'accord. Non, donc ça semble pas mal de faire ça. Ok. Michel! Ah! Par contre, Dalkin, il a plus beaucoup de... On va le soigner. Et on va le mettre là et on va le mettre en protection. Surtout s'ils viennent au corps à corps, c'est gagné. Quin! Trop fort! Il n'a plus qu'un de vie, j'y crois pas. Bah alors le petit démon. On n'a plus beaucoup de vie. Je pensais que ça serait utile simplement de finir avec elle, mais... Ok. On n'a pas assez pour avoir beaucoup en fait. Hein. La guerre est toujours une horreur. Nous voilà obligés de combattre ceux que nous entendons protéger. Vous m'envoyez désolé, Seigneur Mammouth. Je compatis. Courage, Mammouth. On va arrêter Magus et on sauvera ton peuple. Quoi qu'il en soit, nous avons désormais deux ennemis. Il va falloir se montrer d'autant plus prudent. J'espère pouvoir sauver plus des miens que nous n'en aurons tué. Sinon, à quoi bon? Oui. Ah ah! Là, ça a l'air... Il y a l'air d'y avoir un trésor là-bas. Ah, non. On peut le défier! On peut le défier, incroyable, on joue aux cartes contre un démon. M'en fous, écureuil ninja. Je m'en fous, je partirai pas d'ici tant qu'on l'aura pas battu. Ah, ah, ah. Fortiche. Comment je vais faire? Allez, ça attendra un petit peu. Hop. Oh non. Ok, super. On va mettre ça ici. Et lui, tant pis, ça sera des points. Il me faut ma carte 6-10. Elle est incroyablement puissante, cette carte 6-10. Ah oui, mais là, je vais jamais réussir. Ça va être terrible. Ah ouais, ça va être terrible. Oh là, elle est là. Oh d'accord, la 3-8, ok, je l'ai. On la mettre ici. Et celle-là, hop, en sécurité ici. Voilà. Voilà, avec la 6-10, je pense qu'il y a très peu de cartes qui vont pouvoir la passer. Vraiment très peu de cartes. Je pense pour le moment, c'est ma carte la plus forte. Hein. Non mais sérieux. Alors lui, on le met là. Voilà, on essaye de gagner. Oh non, il en a une aussi. On tente pas le 6-10. C'est pas juste. Au secours.
Oh non. Oh non. Pas comme ça. Aïe aïe aïe. Je ne peux rien faire. Ah ok, la 0-2, du coup comme elle attaque pas, elle sert vraiment de défense, ok. Ah donc je peux gagner, je peux encore gagner. J'ai gagné. Bien joué à moi. J'avais envie de faire un coup des Curry Ninja, mais est-ce que je peux? De toute manière c'est gagné, mais je veux juste que les Curry Ninja soient là. Voilà, c'est gagné! Bien joué à moi. Oh non, j'ai encore perdu. Tiens, tu as mérité cette carte. Et c'est quoi du coup? Roi des démons, Artus. Ah, le roi des démons. Ah bah attends, trop bonne carte aussi. Putain, j'aurais pu passer à côté. J'aurais pu passer à côté. Bon bah, un plaisir de jouer avec lui. Dadidadou, dada. Donc alors... Soit le sud... La rivière Kawaii. La rivière Kawaii. Les armes secrètes. Lieutenant, nous allons faire le siège de Démonia. Il nous faut à tout prix conserver ces catapultes en parfait état. Je compte sur vous pour les protéger pendant le trajet. Monseigneur, vous êtes un grand magicien. Oui, c'est exact. Vous devez donc avoir d'immenses pouvoirs, des reliques surpuissantes, non? Oui, bien entendu, mais où voulez-vous en venir au juste? Alors, pourquoi nous laisser seuls à pousser ces énormes machines? Vous pourriez les faire voler, les téléporter, ou les protéger avec un bouclier magique, non? C'est l'heure, je dois vous laisser. Bonne chance! Super, on n'aura jamais la réponse à cette question. Et la moindre égratignure sur les catapultes sera retenue sur votre sol. Soldat, en avant! Mais... Lieutenant? Démonia est de ce côté? Vous en êtes certain? Bon d'accord, demi-tour. Ah. Mais non, pas moi, vous! Non, pas vous, moi! Enfin, le contraire. Ouais. Bon, reprenons depuis le début. Ok, super. Heureusement qu'ils sont idiots. Mais c'est terrible! Ces machines vont faire des centaines de victimes! Effectivement, la guerre risque de tourner court si ces machines arrivent à Démonia. Il faut intervenir. Très bien. Rien ne sert de continuer si ces engins de mort parviennent à leur fin. Réduisons-les en miettes. Ok, bah, je pense que je vais faire celui-là et je serai contraint d'arrêter après. Alors, tente de commandement. Déjà, on va faire ça. Voilà, super. Mais du coup, eh ben, on a plus de sous. Yes. Et là, il y a quoi? Ah, il n'y aura rien. Ah, bonjour. C'est nous. Ah, j'ai décidé... Ok, d'accord, j'ai décidé d'attaquer par... Oh, ils sont si nombreux. Oh là là, ça c'était beau. Ça c'était beau. Hop, on va charger. Parfait. Tadidadou. Ok, ils vont tous monter. Oh non, les catapultes. Waouh, il a arrêté une catapulte avec son bouclier, incroyable! Trop fort! Ouh, bah là, je pense que là, le pouvoir de la miss, il va être extrêmement puissant! Aïe! Pam, elle va tout déchirer là! Elle en touche que 4, zut! Attendez, il faudrait qu'elle recule un tout petit peu. Non, pas toi! Toi, tu te places là.
Est-ce qu'il y a besoin de... Tiens, mange ça. Ça fait pas beaucoup. Et toi, si tu te mets là, t'en touches 5. Parfait. Gare. Ok. Et puis Dalkin, on va continuer comme ça. Hein. Ça marchait bien. Ils nous foncent dessus, c'est parfait. On va attendre qu'ils arrivent. Hop là, chais. Et puis vu qu'on va être un petit peu trop entouré, et bah justement, il y a Mammouth qui va faire son punch. Est-ce que je le charge une fois de plus? Ah, peut-être. On peut se permettre de le charger un petit peu plus encore. Dalkin trop fort. Dalkin, le gros boss. Allez! Il a tout arrêté, il encaisse tout. Bah, il prend très cher, mais il encaisse tout. Alors là, du coup, elle, on commence par faire du soin sur Dalkin. Hop! Là, il y en a combien? Punch. Ah, ça en touche quand même 4, hein. Allez, boum. Ah, dommage. Et là, du coup, alors lui, on va le mettre là. Et on va la faire recharger encore, elle, son pouvoir. Mais c'est vrai qu'on peut avoir en plus la glace. Ok. Bon, c'est bien, ils nous foncent tous dessus, c'est parfait. Technique hein, comme les autres, incroyable. Oula, par contre, Dalkin, il prend cher quand même. un moment, Dalkin, il va tomber. Hein. Il lui reste que 14. Oui. Il va falloir réussir à avancer. Yes. Allez. Il souffre tellement, j'avoue. Mais il est là pour tous les exploser. Et là, on fait une petite percée. Ah, dommage, je pensais qu'il l'aurait, zut. Et lui, là, il va aller se taper contre les archers. Voilà. Avançons. Aïeux. Aïeux. Ça fait mal. Michel qui prend tout dans les dents. Michel, il a pris cher. Hein. Pas se mentir. Je protège de nouveau. Préparer une charge de l'enfer. Ils ont mis cher à Michel. Ils ont mis cher à Michel. Le lieutenant aussi. Il va attendre Michel. Ils ont mis cher. Oui, ils ont mis cher. Est-ce que j'attends pour le super punch ou pas? Ah, je pourrais attendre pour le super punch. Ah, il lui restait que 3 points de vie à la catapulte. Ah, c'est terrible, parce que... Franchement, l'attaque de Pam, elle a été extrêmement puissante. Est-ce que, du coup, je peux le toucher, là? Yes. Allez.
Cassez-vous. Non mais oh. Hop. Ok. Il va prendre très cher lui, je pense. Eh hey, tiens, dans tes dents. On va l'entourer. Aïe. Ouais, il préfère s'attaquer à lui. C'était sûr. C'était sûr qu'il s'attaque à lui. Talou. Ah ah, alors on résiste pas aux flèches. Et tiens, c'est Gisèle qui va te terminer. Gisèle. Ya. Yeah. Ah bah non, je pensais. Oh bah elle l'a même pas fini. Super. Bon bah ce sera Michel qui va te terminer. Michel. Voilà. On a détruit toutes les catapultes. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit les seules dont dispose Magus. Il faut continuer sur cette route et les rattraper. Sinon, ils s'en serviront pour s'emparer de Démonia. Alors, est-ce que ça se sauvegarde à un moment? Ah non, on peut pas... D'accord. Je pensais qu'on pouvait... Ah, ça me saoule parce que si on peut pas sauvegarder... Je vais être obligé de continuer, c'est ça? Non? Non? Ah, ça a sauvegardé, c'est bon.